Salut à tous, c'est ACS Fallout 89, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Necromunda Underhive War. Alors chapitre 3, un agent fiable. Toujours secoué par l'embuscade Orlok, Tessera organise un rendez-vous avec un personnage douteux afin de négocier une route sûre permettant d'atteindre l'archéothèque, un artefact d'une si grande valeur qu'il valait la peine de tout risquer pour lui, même son propre gang. Allons-y alors. Tessera? Aucun signe des Black Ash. On les a semés. Pour l'instant, en tout cas. Autre chose? Je t'écoute. Des Goliaths en approchent. On dirait des Roddy Boys. Si on se planque, ils ne nous verront pas. Il faut les faire partir. Notre guide nous rejoint ici. On monte une embuscade. On les élimine vite et proprement. En position et préparez-vous à faire feu. Et Kira, personne ne doit survivre. Eh ben ça va chier. Alors, chapitre 3, un agent fiable. 4 manches restantes. Ah oui, on n'a que 4 manches. Préparer une embuscade à l'aide de compétences, de pièges et de barricades. Rejoindre le point de rendez-vous. Objectif optionnel. Placer des pièges au niveau des objets. Des goulets, d'étranglement. Alors en mode histoire, les ennemis profitent de renforts dans certaines missions, comme celle-ci. Vous pouvez visualiser les zones de déploiement ennemies à venir sur la vue stratégique. Les nouveaux ennemis n'intègrent le champ de bataille qu'au début d'une nouvelle manche. Alors ça c'est quoi ça? Placer des pièges au niveau des goulets d'étranglement. Alors les ennemis vont arriver de là et de là. C'est des pièges. Ça, c'est au rez-de-chaussée là-bas. Alors, celui-là au rez-de-chaussée. Celui-là. C'est en montant. Et celui-là. C'est au premier étage, on va dire. Ah, c'est Kyria. Mais on n'a qu'un bonhomme qui peut mettre des pièges. On pourra pas mettre des pièges partout. Oui, ça c'est notre objectif. Ouais, je m'y ferai pas à cette vue là. Ouais, pas à cette vue, mais comment négocier les. Faut jouer avec les deux joysticks en fait pour rejoindre le point de rendez-vous. Voilà. Faut faire haut avec les deux joysticks pour monter. Un peu spécial. Alors déjà on va mettre des embuscades pour ceux qui vont venir d'ici et ceux qui vont venir d'ici. Mmh.
je pense qu'on va pouvoir bouger tous nos bonhommes pendant un tour, puis eux ils vont arriver bah, forcément le tour d'après. Hein. Tessera, Tessera, dans Kyria, je crois que c'était que j'avais dit. Le piège il est là-bas. Faut qu'on mette un piège là. Installons des pièges. Ces débiles ne verront rien venir. Alors ça, je peux le mettre en route. Alors ça, à mon avis, ça doit activer ça. Déjà, on va mettre un piège là. Piège. Faut pas que j'y passe parce que les pièges ça peut nous niquer aussi. Hein. Ah, j'étais dedans comme un con. En mettre, alors là je vais activer ça, savoir s'il va me rester assez de points d'action, je sais pas. Mais non, je veux pas franchir, je veux mettre ça en route. Je peux pas, c'est peut-être parce qu'il me reste plus assez de points d'action, sûrement. Ah, fait chier l'autre, le piège, je me le suis pris tout ça comme un con. Quoi. Bon, ça arrive hein, de faire le con. Faut que j'aille assez loin pour pas que. Parce que s'il bouge. Là, ils viennent de là. Là, j'ai mis un piège ici, ok. Là, ils viennent de là. Et après, l'autre, il vient de là-bas. C'est là où en fait. Ouais, elle a quoi comme arme déjà? Ça. Est-ce que je peux faire une vigilance? Je sais pas. Ah non, c'est 30 points. Pff. Là, faut que j'aille me planquer. Hein. Laurel. Qu'est-ce qu'elle a en crainte? Hors d'attaquer, planifier, scan. Ascension. C'est quoi ça, ascension? Se sert du grappin, ouais c'est vrai, c'est ça. Ça c'est une tireuse blind, donc je vais le mettre en hauteur. Bah là on est bon là. S'ils arrivent de là. Parce que de toute façon s'ils bougent. Ils vont obligatoirement passer par là. Alors j'ai 50 points, on est d'accord. Scan de terrain. Alors on va
faire ça. C'est pour le tour d'après. Alors ça vaut 20. Plus ma vigilance 30. Bah ça fera 50. Ah, c'est vigilant seulement. Bon. Bah, c'est bon, je suis dans la zone. Par contre, leur truc. Ouais, on va faire une vigilance ici. Arcadie. On va repasser le tour. C'est là. Faudrait que j'aille mettre un piège là. En dessous. On le voit pas. Ah ouais, celui-là c'est celui qu'on voit et celui-là on le voit pas parce qu'il est derrière ça en fait. Alors est-ce qu'elle peut mettre un piège elle? Ah, je sais pas sélectionner, il faut déjà sélectionner. Non, elle peut pas mettre de piège. Les balaises, comme ce combattant dispose d'une compétence signale. Nommé barrage lourd leur permettant de surveiller une zone de contrebas. Il tire alors automatiquement sur les ennemis, y déplaçant à chaque fois qu'ils parcourent 3 mètres jusqu'à ce que leur arme subisse un enrayement. Oh, ça c'est bien ça. Alors là-bas, j'ai déjà une vigilance. Alors on va mettre une vigilance sur celui-là. Dès qu'ils vont bouger, ils vont recevoir un coup. Aura précaution. Ça coûte 25, alors c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Ah, c'est 45. Ah, je pourrais pas faire les deux. Faut que je le mette là comme ça. Dès qu'ils vont aller là. Il me reste que 5. Prise posture, non. S'accroupir, elle, c'est que 5. Et ben on va mettre ça. Bloqué par un debuff. Bon bah, on va s'arrêter là. Hein. L'autre. Bah elle, non. Alors ça c'est un mécano. Ce mécanicien dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée construire barricade. Utilisez-la dès maintenant pour construire une barricade n'importe où sur le sol, ce qui ralentira la progression des ennemis. N'oubliez pas que les goulets d'étranglement naturel représentent toujours de meilleures positions défensives. Alors les bordels, ils sont où à rapport à moi là? Alors moi je suis là, elle est goulée, c'est ces trucs là. Bon, on va mettre un là-bas. Faut que
Donc j'avance à droite et que je descende ici. Ok. Ça ou quoi? Ouais, il marche pas le bordel. Oh, ça veut dire pas passer par là. Me serais-je planté? C'est à droite de moi, je suis pas fou. Non, là-bas c'est la fin, c'est pas là-bas, je vais aller. Est-ce qu'on peut mettre une balise sur la carte? Balise carrée, ah bah tiens. Allez. Est-ce que je la vois ma balise? Ouais. C'est là-bas, faut que j'aille. Ah, c'est bien. Est-ce que je peux descendre maintenant? C'est marrant, ça c'est des pièges, on peut pas les activer, c'est... Sauter 5 PA. Ah oui, on va sauter, hein. Sourire barricade, ça doit être là-dedans, je pense. Ouais. Bien joué, à couvert. Et les mecs, ils sont où? En fait, il faut bien prendre le temps de lire, hein, parce que là, les personnages, on connaît pas ce qu'ils peuvent faire. Oh, ils sont où maintenant, en rapport à moi? Faudrait que j'aille en mettre une autre là-bas. Je vais plus y avoir assez de points de mouvement là. Ah oui. Non. Ça, j'en étais sûr. Ah, faut que je les attire vers moi de toute façon. Oui. Ah, ils vont pouvoir me toucher, faut que j'aille me planquer quelque part comme là. Il me reste 20 points, une géante c'est 20 avec elle. Embuscade. Surveillance. Et ils nous disent de mettre des pièges et des barricades, mais en fait, on peut pas tout faire d'un coup, hein, parce qu'on n'a pas assez de points d'action de toute façon. On peut seulement mettre un piège et... Enfin, deux pièges, parce que l'autre, avec l'autre tout à l'heure, j'ai fait le con. Je me suis fait exploser un piège dans la gueule. Mais on peut pas mettre de toute façon de pièges à deux endroits différents comme ils nous le disent. Hein. Faut choisir les endroits où qu'on le met, mais... Bah de toute façon il reste plus que celle-là, on va choisir celle-là. Hein.
Alors, les cogneurs, comme ce combattant, disposent d'une compétence signature nommée la mort venue du ciel. Ou ouais, vient du ciel. Qui nécessite que le combattant soit surélevé. Alors, faut qu'on le mette aussi en hauteur, lui. Pour être utilisée, elle permet d'effectuer une puissante attaque sautée sur les cibles en dessous. Essayez de positionner le cogneur en haut des escaliers et de surveiller la zone de déploiement ennemi afin d'atteindre les ennemis sur le point d'arrivée et d'utiliser la mort venue du ciel. Ouais, ça c'est marrant, je peux pas... Bon, alors les ennemis sont où à rapport à moi là. Faut bien se repérer dès le début. Voilà. La mort venue du ciel. L'autre il est là-bas je crois alors. Ciel. Ah oui d'accord. Faut attendre qu'il passe. Bah pour l'instant on va juste faire bah non, embuscade c'est au corps à corps donc ça sert à rien. C'est con, je peux pas faire grand chose là. Ça croupir tout connement, on va attendre. V'là les ennemis, v'là nos copains. Alors ça c'est le troisième gang. Hein. Ils sont deux de chaque côté. Ah non, une fois deux d'un côté, une fois trois de l'autre. Je me plante surtout. Elle, c'est pour tirer sur ceux qui arrivent de là-bas. Là, je vois ce... Ouais, c'est ceux-là que je vois pas en fait. Avec elle. Et là-bas, ils sont trois. Donnez tout, on n'a pas de temps à perdre. On déjà s'accroupir. S'il s'approche, on va faire ça comme ça. Et il augmente sa visée, ok. Lise, on lui a retiré un peu de points. Surveillance. Ouais, c'est des mecs, à mon avis, c'est plutôt du corps à corps ceux-là, donc faut mieux les avoir loin que près. Hein. C'est son truc parce qu'elle est en super vigilance, là, je sais pas comment ça s'appelle son truc là. Alors, elle c'est celle qui s'est planquée je crois. Non, on va prendre celle-là.
piège. Est-ce que je peux mettre ça en route ou pas? Sabotage, oui. Voilà. Le piège qu'on a mis là-bas, plus ça déjà. Voilà, je vais remettre un piège. S'ils passent par là, ça va leur faire drôle quand même. Hein. Et là, bah, si des fois ils passent, hein, on va faire... Ah non, mais je ne lance pas cette pointe, je vais encore tout user comme il faut, comme tout à l'heure. Oh, ça croupire tout, voilà. J'espère que ça va suffire, ce qu'on a fait. Voilà, j'ai pas eu le temps de mettre la barricade, là. Ah bah c'est tout peut-être. Non il faut qu'elle reste là-bas. Ça hein, je crois. Ouais. Parce que ceux-là ils ont pas encore bougé là-haut. On va prendre elle hein. Barricade. On va quand même en mettre une. Ah merde! C'est vrai, il y avait celui qui était en vigilance! Un peu trop vite, mais bon. Ah putain, ils m'ont retiré des points de. Ah, du coup, j'ai pas pu bouger de beaucoup. Planqué, je vais me mettre en... Ah, fais chier, j'ai pas pu mettre la barricade. Recevoir que des machins normalement. Dès qu'il y en a qui va bouger, elle va tirer. Ouais, il faut surtout pas que je la bouge. Hein. Faut que je bouge l'autre avant. Faut que je bouge celle-là. Ouais, elle va tirer à chaque fois, elle. Dès qu'il y en a qui bouge. Bien son truc. C'est con, c'est qu'il a esquivé, mais c'est pas mal. Hein. Par contre, elle va payer votre cartouche à force, quoi. Embuscade. Alors, faut surtout pas passer à côté de celui-là. C'est qui déjà? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'à fond je sais plus. L'autre il est en dessous là-bas.
pas grand chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a seulement une classe de personnages qui peut les activer ces trucs là quoi. Ouais, on peut pas. Bon, on est où là? On est là. Ah, faut qu'on descende encore. La mission principale est là. Surtout pas qu'il s'arrive là-bas quoi. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre des barricades comme je voulais là-bas, c'est con quoi. C'est la mort du ciel. Ouais, je l'avais mis là-bas, c'était pour qu'elle saute. Avant du coup je comprends pas, normalement il devrait être dans le coin là. Il n'y en a qu'un qui est là bas je pourrais sauter sur celui là faut peut-être que je le voie déjà. Je le vois pas. Si je vais là-bas, je le verrai. T'as la caméra là un peu. C'est bizarre en fait la façon de. Se servir du joystick. Alors du coup, j'ai mon truc pour sauter, mais les mecs, je vois pas. Ça c'est ballot. Je vois pas non plus là. Oh. Caméra.
Je vais attaquer celui-là, il est tout seul là-bas. Parce que là, si j'attends pour faire mon truc, là... Je fais des conneries, mais bon. Non, je me sautais moi. Voilà. On va faire sa compétence sauter sur l'adversaire, mais je vois rien. Alors, et juste là, ce con. Buscade. Je peux pas le frapper. Ah, peut-être parce que je suis pas assez près. Il faut que j'ai 55. Et j'ai 55. Ah oui, elle a une tronçonneuse dans un bras, c'est ça? Lui a fait mal quand même là. 90 sur 200. Ah, on peut essayer de leur frapper encore un coup. Hein. Ça va peut-être pas suffire. Embuscade 10. Ah ouais, parce qu'on est trop près, ouais. On peut pas faire embuscade. Ah, j'ai ancrage. Je peux faire ancrage et leur frapper encore une fois. Voilà. C'est-à-dire que je fais passer des points de mouvement pour des points d'action en fait. Là je peux leur frapper, alors j'espère qu'elle va le finir quand même. Ah là, ça c'est bien. Par contre, je suis à court de mission, faut que je recharge. J'ai plus de points d'action. Bon, j'ai ces deux là. Non, ils pourront pas venir ici. Même s'ils passent par là. Les autres sont en haut. Ah, c'est marrant, j'en ai un là, j'ai même pas vu. Ah ouais, il est derrière, il est planqué là ce con. Allez là. Mais moi. Sélectionner un combattant. Bah celui-là, c'est con quoi, il était bien, celui-là. Qui joue avant, c'est con. Ah bah c'est bon, regarde quand même son truc, sa compétence. Ah c'est génial comme coup ça. Sans déconner, vous le mettez une fois et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, je attire. Ouais, ça c'est génial. Et du coup on leur enlève des points de mouvement quoi. Là ça ferait du bien. Ils veulent pas passer où j'ai mis les pièges hein, ces cons là. Ils veulent passer là. Ah, par contre là faut que je recharge un coup.
truc qui commence à être tenant en le rouge. Alors c'est combien mon action là, là. C'est 45 et j'ai 55. Ah, c'est pas ça. 55. 55 seulement. Je peux seulement faire un truc qui coûte 10. On va essayer, mais à mon avis, je vais être à court de. Mon arme va péter quoi. Je suis à fond dans le rouge là-bas. Non, je peux pas, de toute façon, sinon elle va tirer qu'un coup, ça. Et après, son arme va être enrayée. Faut mieux que je la répare maintenant. Tant pis. Aura précaution, ça fait quoi ça? Créer une aura affectant les alliés. Ouais, mais je suis tout seul là, donc ça sert à rien. Bon, on va juste se baisser. Hein. À moins que l'ancrage. Je sais pas comment que ça me donne l'ancrage. C'est 20. Alors 20 plus 10 ça fait 30. Ouais, si je peux refaire un tir si je fais ça. On va faire ancrage. Soit surveillance. 52, 58, et le mec il a 89. Hein. Bon, on va le faire, allez. Lourdement blessé, les gars, ça c'est bien. Il aura du mal à se déplacer. Bon, on va rester là. Hein. Sélectionner un combattant. Ben, on va sélectionner celle-là. Par contre, ça sera pour le prochain épisode. Allez, je vous remercie d'avoir suivi celui-là d'épisode. Et puis, on se retrouve dans le prochain. Allez, ciao.